Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la suite de la chambre de loup. On a en fait continué certaines petites choses et j'avais un peu la flemme de filmer puisqu'on a monté le lit à 11h30 le soir. Pierre a monté le lit il y a 2 jours et en fait j'ai oublié de filmer. Donc bon, c'est pas bien grave. Et là on va vous filmer un petit peu l'avancement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc la pose des rideaux, la pose des étagères, tout ce qu'on a trouvé chez Leroy Merlin, tout ce qu'on doit poser en petit détail, peut-être les cadres si on a le temps. Tout ça, on a aussi l'escalier à vernir aujourd'hui, donc on va voir le temps qu'on aura, on est samedi. Et voilà. Au niveau de l'étagère, on a choisi celle-ci chez Leroy Merlin, donc c'est du teck. J'adore le bois, j'adore le teck. J'aime aussi beaucoup le chêne, mais je sais pas, j'avais envie de ça. C'est un petit peu plus foncé. Et après, au niveau des attaches, on a choisi des toutes fines comme ça, en doré. Donc tout ça, ça vient de chez Leroy Merlin. Et en fait, vous avez plein d'attaches, plein de portes étagères différentes. Je vous le mets en vidéo juste après avec plein de planches en bois différentes. Vous pouvez les avoir brutes. Je sais pas si elles sont vernies. En tout cas, je sais qu'il y a du perle, du chêne, du teck. Vous avez vraiment plusieurs types de bois différents. Et là, on a fait les petites traces, on les voit là, au crayon avec, comment ça s'appelle ça, Pierre, déjà ? Niveau. Avec le niveau, voilà, pour le mettre bien droit. Et on va y mettre ça ici, comme ça après, je lui mettrai la veilleuse dessus. Je vous montre une fois que c'est fait. Oh, Lou, elle verra son papa qui a travaillé dans sa chambre. On lui montrera. Mais quoi? Allez, va-t'en. Si tu savais, il y a 1 an et demi de ça, papa, il bricolait pas du tout. Et maintenant, je lui fais confiance pour mettre des étagères, tu vois. Comme quoi, hein, tout peut arriver dans la vie, Lou. Sache-le. Donc en fait on a acheté des supports pour tringles à rideaux, donc toujours chez Leroy Merlin, pour mettre les rideaux ici. Et le but c'est de mettre les rideaux sur le caisson et pose sans perçage. Donc j'ai trouvé ça juste génial en 15 minutes maximum. Est-ce que Pierre il va relever le défi des 15 minutes? J'en suis pas sûre, on va pas s'emballer comme il dit. Et voilà, en fait ça s'accroche au caisson comme ici. Et c'est un schéma sans montage. Donc, ah oui, d'accord, au caisson, j'ai vu la vis. Tu as vu, Loulou? Ouais, hyper simple. Hyper simple? Ouais. Ok. Donc, écoute, si tu veux, je mets un... Tu veux qu'on regarde si en 15 minutes, tu le fais? Non, 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 c'est bon. C'est bon? Tu n'es pas très joueur en ce moment? Je suis pas. Ok. Donc, je vais vous montrer le résultat. Aujourd'hui pour une nouvelle journée, je suis très contente. Là je me suis en vitesse préparée comme je pouvais pour partir chez Leroy Merlin pour fabriquer un portique d'éveil dans leur atelier, vous filmer tout ça pour vous faire une vidéo YouTube prochainement. Donc voilà, je suis hyper ravie, on a bien avancé ici avec Pierre, donc je suis aussi très très contente. Même les rideaux et tout ça, c'est trop mignon. Alors je pense pas que vous allez voir grand chose, mais avec le motif, bon bref, j'adore, c'est un petit peu encore le bazar. Je suis trop contente aussi, je vous ai filmé la vidéo sur ma liste de naissance, d'ailleurs je vous la mets en fiche là-haut, et je suis très contente puisque j'ai reçu les petites photos que je souhaite offrir à toutes les personnes qui m'offrent des cadeaux. Je vais leur mettre une petite carte de remerciement. Donc avec la Lalab, je fais à chaque fois des petites miniatures comme ça. Et là, on a fait une petite photo avec écrit merci pour tout, donc...
Mais j'ai hâte de pouvoir les offrir aux gens qui me font des cadeaux. Donc je suis trop trop contente d'avoir reçu ça. Du coup je suis de bonne humeur de faire tous ces projets. Malgré que je sois essoufflée et fatiguée. En fait voilà, ça me stimule. Et j'ai besoin d'avoir des petites choses à faire. Je suis en train de vous préparer aussi la valise avec les produits pour la maternité. Tout ce que j'ai acheté aussi pour bébé. Pour moi tout ça, ça c'est des vidéos qui arrivent. Bref, au niveau de ce vlog déco, il me manque encore des petites choses. Il me manque le ciel de lit à recevoir juste ici. Il me manque ici à faire, je sais pas quoi, une étagère ou je sais pas quoi faire au-dessus de ça. Mettre une étagère, je pense, pour pouvoir y mettre des petites choses. Des livres, par exemple, j'ai des livres à ranger. Et qu'est-ce qu'il me manque dans cette chambre? Non, il me manque de recevoir le matelas et de fixer aussi cet appui à ma petite commode et de vous filmer l'ensemble de la chambre de bébé. Et non, les suspensions aussi, il faut que j'aille chercher la suspension Georges et là je sais pas encore quoi y mettre, j'ai envie de mettre un truc plutôt classique. Bon voilà, il reste quand même des petites choses à filmer dans ce vlog déco hein. Je reviens du coup pour un autre jour quand on avancera dans cette petite chambre, mais j'avais vraiment envie de vous parler de mon excitation de faire ce DIY qui fera partie aussi d'une vidéo déco, aménagement, voilà un petit peu bricolo. Donc maintenant qu'on a mis ça avec Pierrot, on va rajouter les deux cadres, je sais plus où est-ce qu'ils sont posés, ils sont posés dans son lit. Pour habiller un petit peu ce mur-là. Pierre est parti chercher un mètre pour qu'on calcule la distance entre le lit et la fenêtre afin de bien les centrer, que ça soit assez sympa. Voilà. À quelques jours d'accoucher, puisque nous sommes quel jour? Nous sommes le 2, donc on est mercredi 2. Vendredi, on a le verdict si Lou n'est pas sorti, le déclenchement. Et là, du coup, on finit tout ce qui nous manque. Ça ne nous manque pas grand-chose. On finit les deux petits points qui nous manquent. Je suis toujours essoufflée, comme d'habitude. Je montais un peu les escaliers, je les ai descendus. Et là, on va faire ensemble, en fait... mettre le petit meuble pour Lou, la table allongée. La scie, le tasseau. Montre-moi les deux vis. Les deux vis à bois. Oh, mais on va péter le meuble, c'est sûr. Et voilà. On a monté aussi hier cette jolie chaise. On la voit pas trop. De chez Nobodinoz. Elle est trop choupie. Et donc là, en fait, on va monter. Il y a ma valise qui est prête à être fermée sur le lit. Et ici, on va aller fixer la table à manger sur notre jolie commode. Et ça aussi, c'est ce que j'ai acheté chez Laura Merlin pour faire la dernière suspension de Lou avec écrit Love. Une jolie ampoule. Mais c'est pas là, Loulou, c'est là où il y a le trou. Ah, il y a déjà des trous. Ben oui. Nickel. Donc, on va caler des tasseaux. Déjà c'est mieux. Bien, 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 bien. Donc, allez. Il va falloir que tu me le... Je te fais un tour de magie. Quand je fais ça, ouais. À 3, la chambre, elle est bien. 1, 2, 3. Ouais, c'est toi qui as fait ça? Donc là, on va enlever les ballons de la baby shower. Souvenir de la baby shower, d'ailleurs. Et ensuite, dernier élément que je vais faire, c'est mettre ce que j'ai pris chez Leroy Merlin, ici. Allez, c'est bon. Il n'a pas que ça à faire, Pierre. Il n'est pas content qu'on défasse l'arche. C'est pas juste magnifique. Moi, j'aimerais bien avoir une chambre comme ça. Mais tu vois, Lou, c'est la fête avant même que tu sois là. C'est la fête dans ta chambre.
Je vous ai mis en mode grand angle pour que vous puissiez y voir mieux. Mais après, ce que j'aime pas en mode grand angle, voilà, c'est que je trouve que la luminosité est pas top top. Peut-être comme ça que ça sera mieux. Donc en fait, c'est ce fameux couloir dont je vous parlais sur mes stories Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon compte Insta juste ici. Je vous ai fait un petit réel avec cette lampe, avec un petit DIY, vous expliquant tout ça. Du coup, la lampe, la voilà. Et c'est dans ce petit couloir que j'ai voulu la mettre parce que je voulais pas que ça vienne trop éblouir, enfin, trop faire ma stock, vu qu'ici, on a déjà une grande fleur de chez Georges. Donc là, vous voyez bien dans l'ensemble. Je trouve que c'est pas mal, d'ailleurs, cette vision. Donc là, il y a la porte d'entrée de la chambre de loup. Et là, ça amène dans la salle de bain. Et vous voyez, il y a déjà cette grosse suspension. Et ici, il y a aussi le ciel de lit. Donc, j'avais pas envie que ça soit vraiment trop lourd. Et pour le coup, je trouve que c'est parfait. Donc, cette lampe, elle est très simple. Comme je vous ai montré sur mon réel Instagram, vous avez la douille, vous avez le fil, vous avez le... Je sais même pas comment ils appellent ça, le socle. Et vous avez l'ampoule. Pour vous la mettre dans l'autre sens. Hop! Si c'est pas trop chou, la petite lampe love. Franchement, je la trouve juste magnifique. Donc au départ, je voulais faire du bois, du doré et du bois avec la lampe. Il y avait plus ce que je voulais, donc j'ai fait du doré, de la corde et du doré. Et je trouve que c'est très, très joli et la vision d'ensemble est très sympa. Pour vous expliquer un petit peu plus le concept, en fait, c'est le concept Creative Cable. Et ça, vous le retrouvez dans 19 magasins Leroy Merlin en France, notamment le Leroy Merlin Bayonne, là où je vous filme le rayon. En fait, vous choisissez votre pavillon, votre câble, votre douille, votre ampoule. Et ça vous fait vraiment une lampe, une suspension ou une lumière sur mesure. Vous laissez parler, en fait, votre créativité. Et le rayon, il est fou parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez et même y ajouter une suspension si vous voulez. Par-dessus, donc ça peut faire quelque chose de très très sympa. Donc voilà, tout ça chez Leroy Merlin. On va faire étape par étape, je reviens dans l'autre sens. Les rideaux sont des rideaux en lin, toujours aussi chez Leroy Merlin. Je vous mettrai leur lien. Et également l'attache à rideau qui est pas mal, qui s'attache directement sur le caisson. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, ça vous évite de faire des trous. Donc je vous l'avais montré aussi au tout début de la vidéo. Là ici, j'ai repris les mêmes rideaux, sauf que je les ai doublés pour pas qu'on puisse voir trop les habits à l'intérieur. Je trouve que c'est quand même plus joli. Et à l'intérieur, il y a le fameux dressing que je vous ai montré juste avant avec les habits qui sont classés par âge. Voilà. Je referme. Au niveau de ce coin aussi, j'avais peint cette partie-là de mur. Je l'avais peint avec la peinture Algo, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, qui est une peinture française à base d'algues. En plus, on était enceinte, mais du coup, on peut peindre. Que votre peinture avec des solvants, ça aurait pas été bon. Ici, c'est le gros bazar, c'est la salle de bain de loup et je suis en train de faire sécher tous ces langes qui restent. Mais je l'ouvre pour vous apporter un peu de lumière. Ça, c'est la fameuse voiture Villac. Je pense que vous l'avez vue et revue. Ça, c'est ce qu'il y avait des restes de la baby shower de Lou. Et du coup, je sais pas, je l'ai gardé. J'aime bien, c'est un souvenir. Tout comme ce cadre où mes amis ont mis leur empreinte, toutes mes copines, pour faire le petit cadre de Lou. Un joli cadeau. Je ne vous l'avais pas mis dans ma vidéo liste de naissance. D'ailleurs, je vous mets ma vidéo liste de naissance juste en haut ici. Mais en fait, après, j'ai rajouté d'autres choses. Et notamment ce sac qui vient de chez les petits picotins, que j'adore, et avec écrit loup. Et ça, ça sera le sac pour aller chez la nounou. Tac, tac. On tourne un petit peu vers ici. Je vais quand même vous ouvrir pour vous apporter un max de luminosité dans la chambre. Alors, concernant la petite commode, c'était une commode sans la table allongée. Donc, c'était une commode parfaite pour chez moi. C'est une fille qui a un compte Instagram et qui chine des meubles et qui les retape, on va dire ça comme ça. Donc on a choisi les couleurs ensemble et je la trouve juste magnifique. J'aime beaucoup avec les pieds en compas comme ceci. Et dessus on a fixé, comme vous avez pu le voir, on est venu fixer la table allongée. Ça vient de chez Verbaudet. De toute façon tout est en lien à chaque fois en barre d'infos, tout ce que je vous montre. Et on est venu la fixer pour pas que ça soit dangereux et pour pas que ça bascule. Donc voilà, ça y est, on a sécurisé tout ça. Ensuite, dessus, vous avez la lampe, le petit sou que j'avais mis dans ma liste de naissance qui fait en fait de la lumière au plafond. Donc ça fait des petites choses comme ça, mais là, il n'y a pas... Là, il y a les volets d'ouvert, donc vous n'allez pas les voir. Mais c'est juste trop mini, cette lampe. Et je crois qu'elle n'existe plus, cette petite veilleuse champignon. Bon, le thermomètre de Louis-Philippe, ça, c'est des ciseaux aussi pour les bébés, les sucettes Bibs.
Et ça, c'est de la marque Béaba. Les petits ciseaux, j'attends la petite pochette Nobody Knows pour tout ranger dedans. Là, ça, c'est encore la marque Main Sauvage. Donc, c'est un petit... Comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Main Sauvage Changing Pad. Je sais pas comment donner le nom. C'est un linge exprès pour, en fait, quand on est en balade, pour changer notre enfant. Donc, l'intérieur, c'est comme une serviette. L'extérieur, vous avez tout en gaze de coton. C'est juste magnifique. J'adore ce motif. J'ai la petite couette de lit ici qui va dans le même motif. Et en fait, ça prend pas de place. Donc, la marque Main Sauvage. Et c'est 100% coton ou Ecotex certifié. Juste trop mignon. Et voilà. Et après, on le ferme. On met ça dans son sac à langer. Donc, je vous avais parlé aussi du sac à langer, Elodie, dans ma vidéo liste de naissance. Là, vous avez, en fait, j'ai mis dessus de la marque Elodie Détail. C'est un drap pour le matelas à langer, mais c'est un matelas à langer de chez Carrefour en dessous. Et là, la commode où je range les biberons, les couches et les produits de beauté. Les couches, n'importe quoi, puisque les couches, je les mets dans ce petit panier de chez Action. Et puis là, on re-atterrit sur l'étagère et sur le joli cadre des aignons. Allez, je continue, j'ai remis la caméra un petit peu en mode pas grand angle pour que vous puissiez un petit peu mieux y voir. Donc voici la chaise en rotin avec le coussin, comme je vous ai dit, de chez Leroy Merlin. J'avais plus de mémoire, c'est pour ça que je me répète. Et là, au-dessus de cette jolie chaise en rotin, nous avons l'étagère que vous avez vue plutôt dans la vidéo. J'adore cette petite étagère. Donc, j'avais choisi les petits triangles, les tringles en doré. Ça, c'est du bois et c'est du teck. Et ensuite, vous avez les illustrations de Studio Pompon. Ça, c'est une bougie Yankee Candle. Ça, c'est le semenier, faire aussi les mois de bébé. Là, c'est une boule qui vient de chez Maison du Monde. Affiche de Studio Pompon, ça vient de chez Action, mais c'est très très vieux. Et à l'intérieur, vous avez le fameux collier d'allaitement ou le collier de biberon, peu importe. Encore une affiche de chez Studio Pompon. Là, c'est le Baby Move, c'est le... La veilleuse qui fait de petites musiques. Ici, vous retrouvez les photos de ma baby shower. C'est des petits polaroïdes, juste trop chou. Voilà, et ensuite là-bas, vous avez un petit hocher exprès de dentition qui est un petit, en fait, il y a un petit bruit, un petit dedans, qui est de la marque Natruba. Voilà, c'est, je crois, en silicone naturel. Une petite bougie de chez Maison du Monde. Et ça, c'était une petite VS qui vient de chez Sephora. Là, vous allez retrouver le petit couffin, le petit berceau de chambre d'Orignia que j'ai habillé avec, ça, c'était dans ma liste de naissance. C'est le tour de berceau de chez Nobody Knows. Là, vous avez une petite couverture qui a été... tricoté par ma maman, c'est juste trop chou. Donc ça sera la première couverture en laine de loup. Ça, j'adore, je vous en ai déjà parlé, de la marque Mélipou. Et la berceuse, c'est à Mélipoulin, donc c'est ce que j'ai joué au piano pour loup. Là, on a un joli plaid que des amis nous ont offert avec écrit loup. Il est juste trop chou, des petits doudous pour plus tard. Et là vient le lit, le joli lit. Concernant le lit de loup, donc il y a ce ciel de lit, je vous en avais parlé aussi dans ma liste de naissance de chez Nobody Knows. Juste magnifique avec la broderie. À l'intérieur, vous avez le petit... comment on appelle ça? Mince. Oh, le petit... Oh, là, je vais pas trouver mes mots. De chez Little Dutch, je vais pas trouver mes mots. Le petit, je ne sais plus, avec les oiseaux, c'est la nouvelle collection Little Dutch. À l'intérieur, ben, vous avez le hocher Little Dutch, aussi un peluche. Donc, c'est un hocher qui fait du bruit. Il y a un petit bruit à l'intérieur et c'est en version peluche. Il est trop chou. Toujours dans la collection, la nouvelle collection. Ça, c'est Nobody Knows, c'est pour accrocher à la future arche de loup. Donc, on en a plusieurs. Là, je vous en ai parlé, c'est Main Sauvage. Et ça, c'est génial. C'est une peluche de bruit blanc. Et quand bébé se met à pleurer, ça se met en route tout seul. Donc, ça fait les rythmes cardiaques. Ça fait plusieurs bruits. Il y a trois bruits, je crois, à l'intérieur. Et là, vous avez la fameuse gigoteuse Petit Bateau. Hein. Elle est bien connue. Et ça, j'ai retrouvé ça dans le grenier de ma grand-mère. C'est une couverture de l'époque tricotée. Donc, ça, c'est vraiment old school.
Toujours ici, là on a des petits jouets qu'on m'avait offerts de chez Sostrogren, d'autres jouets comme je vous en avais parlé de chez AliExpress et une malle qui vient de chez Maison du Monde. Et là je crois qu'on a fait tout le tour. Dernière chose, c'est de ça dont je souhaite vous parler, de cette jolie suspension Georges. En fait, c'est la couleur naturelle que j'ai là. Ce qui est bien, j'ai voulu prendre cette couleur naturelle parce que ben voilà, elle est naturelle. Avec toutes les pétales en rotin et en fait à l'intérieur j'ai mis une lampe cosy. C'est une lampe en fait où on peut jouer sur les lumières et comme les pétales elles sont naturelles, je peux en fait m'amuser avec les lumières. Je vais vous montrer ça. Il faut utiliser une application en fait pour choisir sa couleur. Tac. Voilà et je vais vous montrer. Allez, c'est parti, je vous mets une couleur différente. Vous voyez là par exemple j'ai créé une ambiance un petit peu plus rouge dans sa chambre et là je vais faire quelque chose d'un peu plus orangé. Hop, et voilà, on est dans une chambre un petit peu plus orangée et des couleurs un petit peu plus douces. Donc voilà, ça c'est hyper pratique si vous voulez contrôler en fait votre maison depuis votre téléphone. Vous pouvez aussi faire par commande vocale, donc c'est vraiment pas mal. Et vous avez plein d'autres articles. Au niveau de ça, je vous les mets en photo juste ici. Vous avez des lampelettes, vous avez des prises connectées et vous pouvez tout utiliser sur une seule application. Donc voilà, ça c'est pas mal. Appareillage instantané, c'est hyper facile à utiliser. On peut planifier ses lumières, on peut utiliser plusieurs... Il peut y avoir plusieurs personnes qui le contrôlent également. Et voilà, on peut aussi s'amuser à mettre juste les lumières chaudes ou les lumières froides ou tamiser un petit peu la lumière si on veut lire une histoire à bébé et qu'on veut que ça soit tranquille. Ah oui, dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, les cadres personnalisables aussi de chez Desenio qui sont juste magnifiques. Donc là, moi j'avais écrit Lou, notre petit trésor, mais je vous en avais déjà parlé sur Instagram sur cette photo là, juste ici. Vous voyez, et donc là, on l'a placé juste là. Je vous remets en grand angle pour que vous puissiez un petit peu voir. La chambre, ce que ça rend, et le petit cadre qui est posé dessus. Wanna go to the water, go to the water now. Taste your lips and I feel your hips. You are mine. Now evening was perfect. I need to go back in time. I'm feeling like this moment was unique, but it's fine. Wanna go to the water, go to the water now. Taste your lips and feel your hips. You are mine. Voilà, cette vidéo va s'achever ici. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des petites idées de décoration. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à suivre les aventures sur Instagram, toujours sur YouTube parce qu'il y en aura d'autres vidéos. Et puis moi, la prochaine fois que je vous vois, je serai accompagnée d'un petit bout. Donc il me tarde, c'est avec émotion que je clôture un petit peu cette vidéo en me disant ah, putain, la prochaine vidéo, d'ailleurs je deviens vulgaire, la prochaine vidéo que je tourne, ben, je ne serai pas toute seule, donc ça va être un peu bizarre. Donc voilà, en attendant, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Et puis je vous dis ciao tout le monde.